géant des classes secondaires était un peu efféminé. En ce temps-là, je lisais le grand monde, mais après les lumières, je me faisais plaisir, je me faisais dormir, je m'inventais un monde rempli de femmes aux cheveux. J'ai dit de femmes, pas de jeunes filles. Cette année-là, je n'oublierai jamais le regard de vipère que m'avait lancé ce vieux rat. Cette année-là, j'avais posé les yeux sur la croupe incendiaire de ma procède de droit. Elle avait mis le feu en moi, j'avais avalé la lumière, j'aurais aimé la terre entière, seulement les femmes, pas les jeunes filles. Pauvre de moi, monsieur le surveillant des classes secondaires, passez ses nuits à espionner. Pauvre de moi, du couloir des secondes au dortoir des premières, comment les jeunes étaient couchés, bien sûr le dos les bras croisés, sur la couverture de laine, des fois qu'on aurait des idées. Pauvre taré, pauvre chimère, c'est pourtant là que durant des années j'ai rêvé d'adultère, que je n'ai jamais consommé. Et chaque nuit, quand je tiens dans mes bras une femme trop fière qui se refuse à me donner un peu plus que le nécessaire, parce que je vis à la défaire de son carcan de préjugés, parce que je n'ai pas la manière, j'ai presque envie de lui chanter. Quand ce temps-là, j'avais un surveillant des classes secondaires, et ça la ferait s'en aller. Merci, merci beaucoup.